N'y a rien sur la terre qui soit plus surprenant que la grande misère du pauvre juif errant, que son sort malheureux paraît triste et fâcheux. Un jour, près de la ville de Bruxelles en Brabant, des personnes civiles l'accostèrent en passant. Jamais ils n'avaient vu un homme aussi barbu. Son habit tout difforme et fort mal arrangé fait croire que cet homme était comme étranger, portant comme ouvrier un simple tablier. Ils dirent: bonjour maître, de grâce accordez-nous la sympathie d'être un moment avec vous. Ne nous refusez pas, tardez un peu vos pas. Messieurs, je vous proteste que j'ai bien du malheur, car jamais je ne m'arrête, ni ici ni ailleurs. Par bon ou mauvais temps, je marche incessamment. Entrez dans cette auberge, vénérable vieillard, d'un pot de bière fraîche, vous prendrez votre part. Nous vous régalerons du mieux que nous pourrons. J'accepterai de boire plus d'un coup avec vous, mais je ne puis m'asseoir, je dois rester debout. C'est en vérité trop dur de me arrêter. De savoir votre âge, nous sommes tous curieux. À voir votre visage, vous paraissez fort vieux. Vous avez bien 100 ans, vous en portez autant. La vieillesse me gêne, j'ai bien 1 800 ans. Chose sûre et certaine, je passerai encore 30 ans. J'avais 12 ans passés quand Jésus-Christ est né. Vous êtes donc cet homme de qui on parle tant, que l'Écriture renomme Isaac juif errant. De grâce dites-nous si c'est sûrement vous. Isaac l'Incodème, pour nom me fut donné, né à Jérusalem, ville bien renommée, oui, c'est moi, mes enfants, qui suis le juif errant. Je n'ai point de ressources, ni en maison ni en bien. J'ai 5 sous dans ma bourse, voilà tous mes moyens. En tout lieu, en tout temps, j'en ai toujours autant. Je traverse les mers, les rivières, les ruisseaux, les collines, les déserts, les montagnes, les coteaux. Tous les chemins sont bons aux pauvres vagabonds. J'ai vu dans l'Amérique, ainsi que dans l'Afrique, j'ai vu dans l'Amérique, c'est là la vérité, ainsi que dans l'Afrique, grande mortalité, je les ai traversés sans y être blessé. J'ai vu dans l'Europe, ainsi que dans l'Asie, des batailles et des chocs qui coûtaient bien des vies. La mort ne me fut rien, je m'en aperçois bien. Juste ciel que ma ronde est pénible pour moi, j'ai fait le tour du monde pour la 5e fois. Chacun meurt à son tour et moi je vis toujours. Nous pensions comme un songe au récit de vos mots, nous traitions de mensonges tous vos plus grands travaux. Aujourd'hui nous voyons que nous nous méprenons. Vous êtes donc coupable de quelque grand péché, pour qu'un Dieu si aimable vous ait tant affligé. Donnez-nous la raison de cette punition. C'est ma cruelle audace qui cause à mon malheur. Si mon crime s'efface, j'aurai bien du bonheur. J'ai traité mon sauveur avec trop de rigueur. Sur le mont du Calvaire, Jésus portait sa croix. Il me dit débonnaire, passant devant chez moi, veux-tu bien, mon ami, que je m'arrête ici? Moi, cruel et rebelle, je lui dis sans raison, par âme criminelle, de devant ma maison, avance et marche donc, car tu me fais affront.
Jésus, la bonté même, me dit en soupirant, tu marcheras toi-même pendant plus de 1000 ans. Au dernier jugement finira ton tourment. De chez moi alors même, je sortis bien chagrin. Avec douleur extrême, je me mis en chemin. Depuis ce jour, je suis en marche jour et nuit. Messieurs, le temps me presse, adieu la compagnie. Grâce à vos politesses, je vous en remercie. Je suis trop tourmenté quand je suis arrêté. Je suis trop tourmenté quand je suis arrêté.